Le premier tour des élections départementales de 2015 montre un Front National qui est à un niveau élevé. C'est effectivement le niveau le plus élevé de son histoire. C'est en deçà des prévisions d'un certain nombre de sondages qui le donnaient entre 28 et 30%. Il y avait incontestablement hier soir au Front National, en tout cas chez les militants, une petite déception de ne pas avoir atteint le score qui était annoncé, mais je crois que c'est très largement compensé par ce que recouvre l'analyse fine des résultats, c'est-à-dire d'abord une progression en valeur absolue, d'autre part une consolidation des positions frontistes dans les municipalités qui ont été conquises en 2014. On l'a vu avec la victoire au premier tour dans le canton de Pontet, dans le canton de Fréjus, le bon score du maire de Villers-Cotterêts dans le département de l'Aisne. Somme toute, le Front National continue dans sa dynamique, peut, et c'est important pour Marine Le Pen, se targuer pour l'instant de n'avoir trébuché sur aucun des scrutins depuis l'élection présidentielle de 2012, et devrait confirmer cette dynamique aux élections régionales qui auront lieu en décembre prochain. Il y a toute une génération de cadres frontistes venus au parti après l'accession de Marine Le Pen à la présidence en janvier 2011 qui s'affirme aujourd'hui, qui est en train de prendre ses marques. Donc il y a incontestablement un investissement pour l'avenir qui a été fait lors des élections municipales grâce notamment au travail accompli par Nicolas Bay à l'intérieur du Front National pour arriver à ce que le Front est aujourd'hui un maillage du territoire pratiquement complet. Il était, pour ces élections départementales, la formation qui avait le plus de candidats pratiquement dans tous les cantons, ce qui, compte tenu d'une part du nombre de départements qui étaient encore des terres de mission il y a 5 ou 6 ans, est remarquable, et qu'il l'est d'autant plus que le nouveau mode de scrutin, incluant les binômes et la parité, était a priori une forme de handicap, comme d'ailleurs les élections départementales en elles-mêmes, qui sont traditionnellement des élections notables, donc défavorables aux formations émergentes. Pour le second tour, l'objectif du Front National, c'est évidemment, si c'est possible, de gagner un département. On aura en ligne de mire principalement le département de l'Aisne et le département du Vaucluse. Mais ça n'est pas nécessairement ce qu'il faut regarder en premier. Conquérir un département, c'est évidemment quelque chose qui serait de l'ordre de l'énorme surprise. Il s'agit plutôt de consolider, de bâtir petit à petit, de casser aussi ce fameux plafond de verre dans lequel, à vrai dire, nombre de spécialistes ne croient plus. Ce qu'il faut bien intégrer, c'est que le Front National ne progresse pas par progression spectaculaire. Il ne progresse pas par un gain de 5 à 10% des voix à chaque scrutin. Mais tout de même, quand on compare ne serait-ce qu'aux élections européennes de 2014, eh bien, il franchit encore un petit palier supplémentaire, notamment, et ça c'est très important pour l'avenir, et notamment pour l'UMP et la manière dont elle va se déterminer par rapport au Front National, il semble qu'une partie de l'électorat sarkozyste, on le constate, dans les cantons qui étaient le plus portés sur le vote UMP, eh bien, il semble qu'une partie de l'électorat sarkozyste ait décroché vers le Front National, ce qui pose évidemment le problème, non seulement de la porosité des électorats, on savait qu'elle existait, notamment dans le quart sud-est de la France, mais qui pose le problème de savoir si le comeback de Nicolas Sarkozy à la tête de l'UMP est suffisant pour que soit réédité en 2017 la performance qu'il avait réussi en 2007, c'est-à-dire de véritablement bloquer la progression du Front National et de le faire revenir à un étiage qui était le plus bas de son histoire. Donc, pour l'instant, le problème que pose ce résultat à l'UMP, c'est que la dynamique qui était censée exister avec le retour de Nicolas Sarkozy à la tête du parti semble un petit peu moins forte que prévu et que le Front National a encore un réservoir de voix, notamment un réservoir de voix à droite, un réservoir de voix certainement chez les abstentionnistes,
même un réservoir de voix dans d'autres catégories sociales, puisque la tendance est à la diversification sociologique du vote Front National, au-delà des catégories populaires, des catégories notamment ouvrières, qui, notamment dans le quart du nord-est de la France, constituent pour l'instant la principale catégorie qui se déplace en sa faveur.